Bon Manu, ce fut dur, mais c'est bon cette victoire, c'est votre saison est lancée là maintenant. Ouais, ça fait plaisir hein, parce qu'on a fait match nul à Grasse, on mène au score et au final on se fait scorer en début de deuxième mi-temps. Ensuite après juste bon, on a fait un mauvais match, on a perdu 1-0, on a un peu lâché. Et là on était un peu sur ce troisième match, motivé pour le gagner, on était obligé de toute façon si on voulait lancer la saison. Du coup voilà, c'était dur. On a subi, mais on a été constant en même temps et on a su marquer les occasions qu'on a eues. On n'en avait pas eu 10 000, mais au final, ils sont au fond. Ouais, aujourd'hui, c'était pas forcément le match le plus technique qu'on ait vu, mais par contre, dans le combat, vous avez répondu présent et c'était surtout un combat physique entre deux équipes très costauds. C'est ça, c'est pas les 11, c'est les 16. Ceux qui ont rentré, ben, ils ont porté leur petite touche et du coup ça a mené un peu d'énergie aussi à l'équipe, du coup de garder les ballons devant, de faire souffler le bloc parce qu'ils ont fait quand même 94 minutes où on a subi quand même, pas tout le match mais où on a beaucoup subi, du coup bon, c'est les 16 qui, et le 17e bien sûr, il était là, donc du coup voilà, c'est toute l'équipe qui a le mérite de cette victoire. Tu vas vivre ton premier derby face à l'OM, alors malheureusement il n'y aura pas de supporters, mais est-ce que tu te rends compte de l'importance de ce match qui est vraiment particulier dans cette saison ? Eh bien c'est la continuité d'aujourd'hui, hein. Ce match on joue dans deux jours déjà, donc ce match il faut le gagner à tout prix, comme ça on est vraiment lancé là, vraiment lancé pour la suite, ça nous met en confiance aussi, et comme ça on garde une stabilité aussi dans le classement. Parfait, merci beaucoup. Bon Luigi, ça a été un match compliqué, très honnêtement, le score reflète peut-être pas la physionomie de ce match, mais il fallait le gagner, ça passe aussi par ça, et ça lance votre saison. Ben je pense, oui, mais c'est surtout après notre non-match contre Fréjus. Bon, je crois que les joueurs, ils ont été énormes, hein, ils ont fait laisser passer la tempête, et puis on a su les contrer. Et ma foi, j'espère que c'est parti et qu'il peut nous relancer cette saison. Aujourd'hui, c'était aussi un match important parce qu'il va arriver le match face à l'OM. Et il fallait, avant ce derby qu'on sait important, gagner aussi pour se mettre en confiance, puisque samedi, il n'y aura pas de supporters pour soutenir l'équipe. Oui, malheureusement, pas de supporters. Mais disons que oui, c'est sûr que c'est toujours un petit peu particulier hein, quand on joue l'OM. Avec le passé qu'il y a eu, disons qu'on a su faire ça, ouais, on a su se rattraper, comme je disais, après ce match contre Fréjus. Et surtout, bon, maintenant j'espère que dans une autre saison il est lancé, qu'on peut enchaîner, mais tu sais, les matchs il faut les jouer, donc il ne faut jamais créer des victoires. Si on arrive à garder le même état d'esprit qu'il y avait aujourd'hui, je pense qu'on peut voyager. Un dernier mot sur Bamba qui avait eu deux premiers matchs compliqués où il avait eu deux occasions, il n'avait pas forcément été très précis. Aujourd'hui d'entrée, Imar qui fait un gros match ensuite pour conserver le ballon devant. C'était important aussi pour lui pour lancer sa saison. Oui, tout à fait. Et il a même une deuxième balle en première mi-temps où on peut arriver 2-0 à la mi-temps. Et il faut reconnaître aussi le grand match aussi encore de Flo hein, dans les buts. Il a fait, je crois, que des arrêts au bon moment. Et puis voilà, non, je suis content pour lui et puis je suis content surtout pour l'équipe. Merci beaucoup.